Amis de la plume et du papier, chers téléspectateurs, bonjour. Présidentielle de 2021, les canards, dans leur grande majorité, décortiquent l'actualité ce lundi matin. Le parrainage n'est pas synonyme d'exclusion, rapporte le Télégramme. Le sujet fait grand bruit et suscite inquiétude dans le rang des potentiels candidats. Les députés Akoma et Gbadamassi du Bloc républicain démystifient le processus et créent le challenge avant d'ajouter qu'ils confirment le sens de responsabilité des parlementaires. Pendant ce temps, sur la même question, Biot Tchané formait ses députés, nous apprend ce matin le Béninois Libéré. Ils se sont retrouvés le vendredi dernier pour la première édition de la journée parlementaire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda politique du parti qui vise à repositionner et réorienter les points de vue de ses élus au sein de l'Assemblée nationale, détaille le canard. Dans le même temps, le marchandage du parrainage était également traité par certains confrères. Depuis quelques jours, une polémique est née suite à des propos tenus par l'honorable Dakpé Sossou. Les propos de l'honorable Dakpé Sossou mal compris. Clarifie le quotidien Soleil Levant. C'était de l'humour. Ne prenez pas ces mots au premier degré, dixit Abraham Zizinoukwe dans les colonnes du journal ce matin. D'ailleurs, sur la question, le professeur Joseph Diogbenou réagit, écrit la primeur. La Cour constitutionnelle tranchera, publie Nord-Sud quotidien. Le matin publie également les clarifications de Diogbenou ce matin. Le journal explique que le président de la Cour constitutionnelle, en marge d'une séance, avec une délégation du Niger à relever des probables cas de contentieux auxquels pourrait conduire cette option de parrainage, conformément au code électoral. Le parrainage, le souci de l'opposition, écrit ce matin le quotidien Pluriel. Dans la commune de Comin, la femme rurale était célébrée ce week-end, nous apprend le quotidien Pluriel. C'est à la faveur de la journée internationale de la femme. Au menu, des causeries débats afin de sensibiliser les femmes sur le rôle qui est le leur dans la transformation de nos produits agricoles. Une initiative de l'Union communale des producteurs de Comin. Des ustensiles sont offertes à ces femmes productrices dans le cadre de la journée rapporte le canard. Devoir de mémoire pour finir ce matin. Il y a 48 ans, le coup d'État rappelle Matin Libre. Une histoire pathétique. Un homme d'État, feu général Mathieu Kérékou, écrit la cloche ce matin. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour la revue de presse. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.